Tu pars, tu pars. Merci. C'est bon. On a dératisé la base. Jeu de miroir. Il est où le projecteur? Il faut faire le... faut les aligner pour que ça fasse de la lumière, non? C'est pas celui-là. Ah, ouais, évidemment. Pourquoi je me fais chier à réfléchir? Fallait juste activer un truc. Le laser, évidemment. Alors, moi je me suis dit, ah tiens, c'est avec la lumière et tout. Non, non, c'est pas aussi compliqué. C'est plus facile. Elle est où l'échelle? Elle est là. Je faisais le bruit du laser. Ah, le silence. Au final, la vue dans ce jeu, elle est quand même bien pourrave. Tu vois rien de ce qu'il y a devant toi, hein. T'es obligé de faire ça. Enfin, tu vois pas vraiment... Ouais, tu vois pas vraiment loin. C'est chiant. Bon, y a pas une touche pour activer la carte? Non? C'est dans le 5? Genre avoir la mini-carte, c'est dans Resident Evil 5, ça, non? Maintenant je les confonds, ils sont tellement mauvais les uns les autres. Le Japon féodal, les samouraïs et tout ça. Je voudrais indiquer aussi que les mecs ils sont équipés en habits de militaire, donc militaire de notre époque. Putain. Mais ils utilisent des arbalètes. C'est un choix.
Je sais que je peux faire les grenades flash pour les one-shot, les trucs, mais bon. Quand il n'y en a qu'un seul, c'est un peu du gaspillage. Nio. Bonjour. Merde, pourquoi tu t'es retourné? Il est où le mec? C'est celui-là? On recule. C'est un secret là. Yes. Un chat. Ok, trois orifices. Par là-bas. Oh, un piège! Ah, carrément. Putain, vous savez pas... Vous savez vraiment pas tirer, les mecs. Ok, là c'est un peu mieux. Oh la vache. Comment il tremble, Léon, quand même, faut pas abuser. Non, j'ai un mec derrière moi, je crois, non? Oh la vache. Oh non! Plus de grenades. Thank you.
Voilà. Ça serait pas mal le jeu du style Skyrim ou Kingdom Come, mes versions Japon féodal. J'en connais. C'est à la troisième personne par contre, c'est pas la première. Je crois que c'est Life of Samurai, je crois. Il y en a plusieurs, genre il y a au moins 5 jeux, je crois. Oh merde! Je l'avais pas vu! Je l'avais pas vu dans le décor. Tellement sombre. Ah, faut aller où là? Putain. Ah oui, non, la porte. Quel con. Je viens d'y penser, la porte. Tiens, un interrupteur, appuyez dessus, oui. Voulez-vous progresser? Oui. Je voudrais progresser, merci. Allez, what do you buying? Welcome. Welcome, stranger. Got some rare things. Ouh, il y a des nouvelles choses. Carte au trésor, île. Thank you. On a le Killer 7, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est un fusil, Ouais, enfin, là c'est plutôt un canon, mais... C'est un magnum. What are you buying? Est-ce que ça vaut le coup de le vendre? Ah. What are you buying? Is that all, stranger? Bah ouais, il fait beaucoup plus mal quoi. Thank you. What are you buying? What are you buying? Pourquoi ça me montre encore le Broken Butterfly alors que je l'ai pas? Come back anytime. What are you buying? What are you buying? Not enough. What are you selling? Ah, ouais, c'est bon. De toute façon, on n'a plus rien. Mauvaise touche. Oh oh! Loupé, ok, ça marche. J'ai pas de grenade, c'est relou. Ah ah.
Ah bah voilà. On en a une. Elle doit être verrouillée de l'autre côté. Ah mon Dieu. Toutes ces balles que je ne reverrai pas. Des conserves et des bocaux. Mmh. Yay. Mmh. Hop. Je brûle. Salut Kevin, bienvenue. Leon. Ah. On peut. Oh. Comment je l'ai eu le mec. Il a quoi sur le visage? Il a une partie en métal en fait, non? Ça sert à rien. Leon! Help! Leon! Help me! Ashley. Oh. Ah, il va peut-être la foutre à poil. Amateurs. Just hang in there, Ashley. Le mec, il a vu que je voyais à travers, que je regardais en fait à travers la caméra, et il s'est dit je vais couper le courant. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. Ouh, des lingots. Ah, non. J'ai eu peur. Oh, 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 oh. La fléchette, le carreau, là, il m'a frôlé la nuque. Putain. Chaud. Là, je te fais monter les escaliers. Ah merde. Ah vous faites chier. Allez. T'es mort? Ou tu fais exprès? Ah! Ah la pute!
Ça va. On n'est pourtant pas dans Subnautica. On commence à être un peu à court. Ah non. Non, j'ai un dur. Non, on a plein de balles, ça. Plein de balles. Bon, y a juste l'autre con. Faut pas qu'il me touche dans le coin. Hey, lève-toi. Me fais pas ça. Ah. Oups. Ça va la musique. Essaye pas de nous faire croire que c'est un film d'horreur. Enfin, un jeu d'horreur. C'est pas un jeu d'horreur. Y'a quoi par terre? Attends, y'a pas de porte ici en bas? Je fais tout ça pour rien. Enfin, pour une fleur verte là. Rouge. Non, jaune. Oh. T'es ici. Je crois qu'Orion est mort d'ennui. Donne-moi des munitions, mec. On va te faire mettre. T'as tout plein de munitions là, tu peux pas en partager, connard. Things on what are you buying? Eh? Ah non non non, optimisé. J'ai cru que c'était acheté, genre je pouvais acheter deux magnums le même. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça va. J'ai pas d'argent. Ah, gilet tactique. 60 000. 30% des blessures subies. Ça pourrait être utile, mais... C'est bizarre que j'ai pas le troisième... pour la carafe, là. What are you buying? What are you buying? What are you selling? What are you selling? Bon, ce sera pour la prochaine fois. Ah non, c'est le stand de tir là. Non, j'ai pas envie. Non, c'est de la merde. Je m'en tape. Il l'avait pas activé. Oh la vache! Aha! Faut leur tirer dans la dynamite en fait. Oh, font chier. J'ai une idée. Voilà.
Ah, relou. Ah. C'est pas par là qu'on passe? Foutez de ma gueule. C'est bon parce que là c'est relou par contre. Ah! Là c'est autre chose. Ah! Oh! Je te coupe les jambes. Avance. Ça ferait limite peur. Des anciens Resident Evil, ah oui. Ah, il y a un tyran? Non, c'est pas un tyran, ça. On dirait qu'il était en pleine autopsie. C'est un équipement de recherche, je me demande quoi il sert. Bah, faire de la recherche, peut-être. Un objet bloque la porte de l'autre côté. Ah bon? On peut pas passer par là? Oh, tu te réveilles? Non. C'est quoi cette merde? Pourquoi je peux... tu vas me dire que le mec il fait que enjamber des fenêtres tout le temps et là il peut pas enjamber ça là? Enfin bref, pas grave. Oh, dégueulasse. Ah. Un jeu. Un jeu vidéo. C'est vraiment un truc de merde. Mémo de Louis III. Les créatures web telles que El Gigante et Novistadors sont les fruits d'expériences diaboliques et ignobles dont on fait l'objet le sujet autrefois humain. Un type de créature distingue nettement des autres, il s'agit du Regeneradores. Les Regeneradores bénéficient d'un métabolisme plus élevé que leur père. Qui leur permet, pardon, de régénérer très rapidement les organes qu'ils ont perdus. D'accord, c'est un tyran plus en fait. C'est chiant.